Et bonjour les amis, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue aux nouveaux arrivants et arrivants qui viennent de s'abonner à la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, en ce mardi, on va continuer la voiture qu'on a fait mardi dernier. La voiture star du petit écran. Je vous ai demandé de chercher si vous trouviez c'était quoi comme voiture. Quelques personnes ont su me répondre dans les commentaires. Je vous en remercie. Je vous en remercie bien. Et là, aujourd'hui, on va continuer à la rénover. Donc là, c'est surtout tout le train avant. Vous pouvez voir, il est dans un triste état. On va faire après, si on a le temps, la carrosserie et l'intérieur. En clair, on va essayer de la finir en une seule vidéo. On verra bien si on a le temps ou pas. Oui, t'as des pièces. Franchement, ça laisse un peu à déplaire. Vous voyez un peu tout est rouillé de partout. Donc, il y a de quoi s'amuser à démonter tout ce monde-là. C'est une voiture, bien évidemment, qu'on avait achetée à la casse au départ. C'est pour ça qu'elle est dans un triste état. Mais enfin. Après, c'est pas grave, le but c'est s'amuser à rénover. C'est ce qui compte sur ce jeu-là. La rénovation avant tout. Et le plus important dans ce jeu-là. Donc là, on va voir si on va pouvoir rénover quelques pièces. Mais à mon avis, vu qu'on s'est rouillé, ça m'étonnerait. Voilà. Ouais. Il nous faudra le radiateur, là. Bac. Et avant d'acheter tout ça, hein, on va aller voir ce qu'on peut réparer. Ah oui, on va pouvoir réparer l'étrier de frein, le cylindre de frein. Voilà, encore un petit peu. Voilà, le flasque, flasque de moyeu, le triangle suspension inférieure. Ça tout à 100% qu'on s'en gagne un petit peu d'argent. Vu ce qu'il va y avoir à réparer sur la voiture, on n'a pas fini les amis. Je vais vous le dire. Oula, vous avez de la chance. Et des fois, pour rénover, bien évidemment, pour ceux qui ne savent pas, il faut atterrir dans le vert pour arriver à 100% ici. Donc, si c'est dans le rouge, vous voyez, en cas d'échec, vous perdez 12%. Donc, pour revendre la voiture au plus cher, le mieux, c'est d'arriver au moins à 100% de partout. Comme ça, on est quasi en catégorie 9. Et on gagne de l'argent. Pour l'instant, on va laisser le disque de frein. Ouais, vous avez compris. Et là, oula, par contre, si l'on bloque, vous avez compris. C'est dans un triste état, tout ce monde-là. Moi, ce que je fais, j'en prends une dizaine de grands et de petits. Comme ça fait une réserve. Ça évite de retourner à chaque fois dans le magasin pour en racheter et en racheter et en racheter. Donc là, on gagne beaucoup plus de temps. Hop. On va voir la crémaillère, à mon avis, elle n'est pas réparable. Et cette barre-là n'est pas réparable non plus. Et ben. J'ai acheté ça tout. Hop. Le master pack. Réservoir de la glace qu'il faudra passer pour au-dessus pour l'avoir. Le radiateur également. Et le réservoir. Et on va y avoir tout ça. Après, c'est pas le plus gros que j'ai eu comme à rénover. J'ai eu J'ai eu d'autres voitures qu'il a fallu rénover. Beaucoup de pièces. Franchement, je peux vous dire que je me suis amusé. Je ne sais pas acheter de réservoir, de radiateur par hasard. Enfin, c'est pas grave. Allez, on y va. Bien les deux directions. Ça, c'est dans la suspension. Moi, je fais bien. Non, c'est pas un et c'est un E. Bien les deux directions. On en prend deux.
Hop. On continue. Rotule de direction, elles sont raides aussi, comme d'habitude. De toute façon, on est bon à tout changer. Vous pouvez voir. Bon, il y a tout à refaire sur la voiture. Pour les personnes qui se demandent où c'est qu'elles peuvent avoir ce jeu-là, bien évidemment, c'est sur Steam. Le jeu s'appelle Car Mechanic Simulator 2021, tout simplement. C'est rénovation de voitures, d'émissions. Vous avez tout plein de choses à faire. Bon, en fond, vous avez du boulot. Vous avez du boulot en rénovation, tout ça. En réparation. Les contrats, la rénovation de votre garage, enfin, l'amélioration de votre garage, les compétences, tout ça. Donc, vous voyez qu'il y a du boulot. Mais franchement, je peux vous assurer que c'est un plaisir de jouer avec un petit jeu comme ça. Ça va assez vite. Roulement de moyeu. En deux, le cache pareil. Cache moyeu. On va nous falloir aussi. Je sais pas si on aura le temps ou pas de faire la carrosserie. Parce que sinon, je pense que la vidéo va durer très très longtemps. On verra bien. Hop, hop. Et enfin, on peut mettre enfin déjà une première roue. Vous avez commencé à la reconnaître. Grâce à ces roues. J'espère, vous allez les reconnaître. L'arrière, ne vous oubliez de mettre les roues aussi. On va faire aussi également. Voilà. Bon, après, il va manquer toute la carrosserie, mais ça. C'est ça qui va coûter le plus cher à la voiture, bien évidemment. Maintenant, l'avant à faire. À refaire tout ce qu'on a fait d'un côté, on refait de l'autre. Est-ce que j'ai mis les cylindres blocs de l'autre côté? Oui. Donc, on est reparti pour les cylindres blocs. Bon, sinon, j'espère que vous appréciez les vidéos que je vous fais et tout ça. Pour moi, comme je vous ai dit, c'est toujours un plaisir de vous faire des vidéos dans la joie et la bonne humeur. Le jeu, c'est pour commencer, pour s'amuser et tout ça. Vous pouvez penser. Le jeu, c'est pour s'amuser avant tout. Passer du bon temps, s'amuser, rigoler et tout ça. Là, c'est le mardi. Mardi sur ce jeu-là. Mardi Car Mechanic Simulator. Et on verra demain. Demain, non, c'est demain, c'est la journée avec la team. Là, ça sera sur la map allemande. Mais ah. Ah, aucune pièce. Bon. Allez. Magasin, ouvrir, et en suspension supérieure. Je sais pas si j'en ai encore là. Et non, j'ai plus assez de cylindres blocs, comme vous avez pu le remarquer. Les cylindres blocs, j'en avais acheté 10. Vous avez pu le voir. J'en ai pas eu assez. Donc, si vous jouez à un jeu là, et que vous débutez, faites comme moi je fais, faites une réserve. Comme ça, vous aurez ce qu'il faut. Et vous serez tranquille. Désolé pour les quelques coupures qu'il doit y avoir. Il va y avoir dans la vidéo. Ça, des fois, parce que je réfléchis en même temps, quand je regarde ce que je fais, mais surtout, préfère pas faire de bêtises. C'est pas pour un contrat, la voiture, c'est peut-être pour nous personnellement. Les voitures de stars des stars de petit écran. Mais pour ça, j'aimerais bien que ça finir la carrosserie pour finir tout ça pour commencer la carrosserie ensemble. Voilà. Donc là, le radiateur, c'est bon, réservoir de lave-glace, le master lab, et ben c'est tout. Enfin, on va lui donner à boire. Parce que tous les réservoirs sont vides.
moteur aussi, je crois. Donc, ouais, ça va coûter. Ça va nous coûter tout ça. Mais bon. À l'intérieur, il faut retrouver encore les sièges qui vont aller avec cette voiture-là. Tout ça. Là, c'est un... ça va être un petit peu plus long. Là, c'est du lave-glace, donc on peut en mettre. Comme dans toutes les voitures. Tout ce qui est lave-glace, on peut mettre. Il n'y a aucun problème. Hop. Et vous avez pu voir, il y a quelques petites décorations d'Halloween dans la... dans le garage. Ça, c'est les... c'est la dernière mise à jour qu'on a eue. Franchement, ça fait un petit peu plus de déco. Je trouve ça assez sympa. Voilà. De l'huile, comme ça, le moteur, lui, il est prêt. Allez. Bon, maintenant, on va voir dans le magasin si on trouve l'intérieur de cette voiture-là. De toute façon, ils ont tous des noms pour les véhicules, vous pouvez voir. Vous voyez, le flashback, flashback, flashback. Cuir arrière M6. M6, ouais, c'est de... et comment s'appelle? Les voitures de genre BM et tout ça. Et j'ai pas la banquette, j'ai pas les sièges de celle-là, comment ça se fait? Hop là. Donc là, vous l'avez vu, le nom qu'elle porte. Ah. Donc, on va peut-être mettre des sièges normaux, et puis c'est tout. Hein. Ça, c'est le problème des fois. Mais tant pis. On va mettre des beaux sièges quand même. On va pouvoir les mettre deux sièges comme ça. Le frein un peu en... il y aura peut-être bien pour la voiture. C'est pas les bons sièges, je m'en doutais. Ah voilà, quand je vous ai dit, j'ai acheté les sièges encore pour rien. Le problème des sièges, comme vous avez pu voir, pas très facile à trouver. Ah, les petits fonds, et là, nanana. En volant, on peut mettre un volant tout ce qui est plus ordinaire. Mais pour les sièges, vous allez pouvoir, on ne peut pas mettre les sièges qu'on veut. Les voitures modées. Malheureusement. Non mais, je me suis encore trompé de truc. Body tuning, on n'est pas dedans. Non. Non, on n'est pas dedans. Mais dans les pièces normales ou pas possible, ça, ce qui s'est passé depuis la dernière mise à jour, on se le demande. Non, je pense pas que c'est là-dedans. Ah, mais j'ai encore un peu de trucs. Il y avait un autre truc dans le temps qu'on... là. Ah, là, là. Et on n'a pas le siège. Donc, là, ce qui va nous coûter le plus cher, c'est 1008 pour une aile. La deuxième aile. Encore une autre aile. La deuxième aile. Vous pouvez voir, ça va nous coûter bonbon. On prend celui-là. Celui-là. Ça. Ça. Et on va déjà voir déjà ce que ça donne déjà. Hein. Mais pas ça. Voilà, là vous avez compris maintenant qu'est-ce que c'est comme voiture. Ah, ouais. Ah, si vous n'avez pas compris, ah, franchement, je sais pas ce qu'il faut de plus. Là. Là, franchement, elle est assez simple à reconnaître. Allez, on n'a pas les portes encore. Donc là, hop. Hop. Il va falloir toutes les vitres. Vitres. D'accord. Donc. Donc, c'est pour ça que ça va coûter bonbon de faire tout ça. Faire avant droite, faire avant droite, faire avant droite. Mais c'est ça le problème de cette voiture-là. Faire avant droite, pas avant gauche. L'arrière droite, l'arrière gauche. La porte, espérons qu'on a assez d'argent. Non, ça, on va pas être porte avant droite, porte avant gauche.
les rétros. Là, il va nous falloir ceci, les vitres, porte avant gauche, porte avant droite, les deux vitres à l'arrière. Et normalement, ça devrait être bon, logiquement. Cache moteur en cas où, on va voir ce que ça nous donne. Voilà, en plus ça fait une vitre teintée. Voilà, on a le tableau de bord qui va avec. Donc maintenant vous avez compris de quelle voiture je vous parlais. Vraiment. Une voiture qui existe vraiment dans la vie réelle. Une voiture toute en inox, qui ne rouille pas, bien sûr. Pas la plaque d'immatriculation, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas pourquoi qu'on a une vitre d'un côté, il y a ça de l'autre. Après la Renault, ça coûte un peu cher, même. Ouais. Le prix est ici. Le pli arrière, gold. Il faut trouver la vitre avant. Là voilà. Il nous faudra ça aussi. Et normalement, ça également. Là, ça c'est fait. Donc maintenant, il faudra choper. Hop là. On va retirer ça pour voir le temps de se placer. Mais non, pas ça. Comment ça se fait qu'on peut pas placer ça? Ah. C'est ce que je pensais. Et pourquoi? Non, ça va toujours pas ça. On va retirer le cache moteur. Ça à la place. Et voilà. Et voilà les amis, j'espère que vous l'avez reconnu, notre grosse bobine, notre star du cinéma petit écran. La voilà. Voilà. Bon, pour les plaques de circulation, on va mettre des plaques, tout ce qui est le plus ordinaire. Hein. Voilà. Pas de belles plaques aussi, on va mettre Arizona. Voilà. Bon, malheureusement, à l'intérieur, j'ai pas pu le faire. Donc, vous avez pu voir, j'ai pas trouver des sièges qui vont avec, donc tant pis. Non, c'est pas ça, c'est ça. C'est ça. J'ai toujours moins le volant. Voilà. Et les sièges, malheureusement, vous pouvez voir la forme dans un HT1, ça ne fonctionne pas. Donc c'est le problème. On prend des voitures maudites. Ah, peut-être tu lui passes un peut-être un... non. Je veux dire un petit coup de peinture, non, ça va aller. Et voilà les amis, voilà notre grosse bébête finie. Donc, simplement, ça mérite une petite vidéo, une petite photo. Voilà. Et voilà. Voilà, vous l'avez reconnu, c'est la DeLorean de retour par le futur. J'espère que les vidéos vont vous plaire. On va la mettre dehors, mieux la voir. Ah non, j'ai mis sur le pont, je me suis gouré. C'est dehors. Lave-la. Notre voiture, petit écran. Malheureusement, on peut pas s'asseoir dedans, on peut pas la démarrer parce qu'on n'a pas les. Enfin, moi, pour moi personnellement, j'ai pas trouvé les sièges. Et voilà. Ça, c'est la voiture que j'avais préparée avec ma petite femme. Voiture catégorie sportive. J'ai tout refait complètement. Hein? Celle-là, par contre, elle a un tas de sièges baquets et tout, vous pouvez voir. Ah, c'est sympathique. Un mosquito. Alors, elle n'est pas à vendre, bien sûr. Maintenant, on n'a plus qu'à vendre notre très chère DeLorean. Voir si elle nous rapporte de l'argent. Espérons que ça peut nous demander. Ah. Alors, la vente 100 551 crédits, bénéfice 93 638, prix d'achat 6 913, conditionné des bonus 16 758, pièces haute performance ou bon, zéro parce que bon, pas cette voiture-là, c'est pas trop pour la vitesse, surtout pour la beauté de la voiture. Valeur de la carrosserie 57 530 et valeur des pièces 26 263. Voilà.
Vous serez de vouloir vendre la DeLorean pour 100 551. Oui. Et voilà. Et ça leur fait bien sous. Et voilà les amis. Donc voilà la fin de la précieuse voiture de DeLorean qu'on vient de revendre ensemble. J'espère que cette vidéo-là vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un max au pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche et de partager si le cœur vous en dit. Si vous en voulez d'autres, dites-moi les dans le commentaire. Je me ferai une joie de répondre à vos commentaires et on en fera d'autres. J'ai d'autres voitures des stars petit écran. Des voitures stars petit écran. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt. Ciao, bye bye.